J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré Shadow. Regardez, il a bien grandi. C'est un amour, mais c'est une crapule. Voilà. Donc je vais le lâcher. Il va partir très vite. Bien sûr. Bon, je vous ai remontré Shadow. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder, bien sûr. Alors j'ai un programme. Déjà, on va commencer le tirage par les énergies du jour avec celui-ci, le 77. On va regarder un peu un message d'une personne qui a envie de te dire au niveau de l'amour ou du cœur sentimental, familial, amical. Et on regardera avec ce jeu que j'utilise pas souvent de Calypso pour vous lire un peu un petit conseil et peut-être qu'on fera d'autres tirages certainement. Mais on va commencer comme cela, si ça vous va, j'espère. Bon, moi, j'ai pas pu être là ces 2 jours-ci parce que, en fait, j'avais plein de rendez-vous et je pouvais pas. C'est vrai que il y a 2 jours, j'étais fatiguée, du coup, j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas envie. Et hier, j'ai pas pu. Voilà. J'avais plein de rendez-vous, j'allais voir ma mamie, on allait au dentiste. D'ailleurs, regardez. Beau, hein? Des tartrages, c'est horrible. Je déteste le dentiste, mais bon, il m'a. Je suis allée pour une carie, il m'a dit hop, des tartrages, j'ai pas eu trop le choix. Enfin bon. Allez, on va regarder les messages aujourd'hui. On a le triomphe, la réussite. Je vous le souhaite. Je vous les envoie, les énergies positives. Allez, on va lire le petit message de l'oracle 77 qui veut s'exprimer. Des choses cachées par un homme barbu. Attendez, des cartes sont tombées. Je prends pas trop quand il y a trop de cartes, ça me plaît pas. Mais là, je me suis dit pourquoi pas. On a en tournant rond, on a un rond-point. On a quand même après le rond-point une ligne droite avec une ouverture pour des choses qu'on a envie, qui viennent du corps, du cœur, du désir, de l'esprit, avec du succès. Donc, c'est un petit message bonus. Allez, on y va, on regarde. Qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-ci aujourd'hui? Alors, des choses qui sont en train d'éclore par rapport à une fin. En fait, le message ici nous dit, cette petite coupe nous dit tout simplement qu'on est en train de s'amener vers un chemin où on va aller vers le lâcher-prise et où on va supprimer, arrêter certaines choses, tout simplement. Ok, allez, on met les cartes délicatement sur la petite table. Et on regarde le message qui veut bien nous dire aujourd'hui. Je vais y aller avec délicatesse, tact et compréhension. Ok. La première carte, le point de départ, c'est les 2 cœurs. Donc souvent, on a des petits colliers comme ça, pour ceux qui sont sentimentaux. Ça signifie quand même quelque chose d'important, ces 2 petits cœurs. Cette carte, en vrai, elle veut dire... Où on est lié à quelqu'un, on se sent bien avec quelqu'un, on se sentira bien avec quelqu'un, ou dans une situation, cette carte nous dit qu'on se rapproche du but de quelqu'un, où on va un peu s'harmoniser avec la personne ou avec la situation. En tout cas, pour moi, elle signifie on se rapproche. On est dans une ouverture, on est dans le oui. On veut y aller, parce que là, si on est là, on y est, on le veut. Donc là, on voit 2 êtres ou une personne qui va dans quelque chose qu'elle veut, qu'elle souhaite. Et sur le moment, on peut vraiment se sentir bien. Donc pour moi, c'est le fait de se laisser aller, de se laisser porter. Ok, se laisser porter toujours quand même avec grâce, délicatesse. Et quand même pas mal de lâcher prise, de réflexion et aucune pour l'instant. On a pour l'instant avec ces 2 cartes, on voit pas d'énergie négative, on ne voit pas de blocage pour l'instant en tout cas avec ces 2 cartes. On nous dit qu'on s'installe dans quelque chose de confortable mentalement, physiquement. On est bien. Dans cette situation, avec cette personne, voilà, on est bien. On est comme sur un petit nuage, comme sur la pub de Kinder. Tout à fait. Ok, ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle que les choses vont bien se passer, on va bien s'harmoniser, on va faire notre petit chemin, et au bout d'un moment, il y aura quand même une période peut-être de break, ou peut-être on va un peu s'éloigner de la situation, peut-être se retrouver à soi, mais en tout cas pour reprendre. Il y a quand même une suite, malgré qu'on nous parle quand même
d'un petit arrêt, d'une petite pause. Ou alors, tout simplement, on veut nous dire qu'à un moment donné, on ne peut pas être tout le temps avec la personne ou on ne peut pas tout le temps être au travail si on kiffe notre travail. Voilà. On nous parle quand même qu'il y aura peut-être une petite stoppure à un moment donné. Voilà. Malheureusement, des fois, on est trop bien et oui, la vie nous rattrape. On ne peut pas vivre d'eau et d'eau fraîche. Alors là, on nous parle de tout ce qui est lié à la maison, à la famille, à nos repères. Alors, on nous dit qu'on peut nous parler qu'on se sent bien chez nous, chez lui, chez quelqu'un. Peut-être qu'il y a aussi un désir d'harmoniser notre intérieur, peut-être changer de décoration, peut-être une peinture un peu trop agressive ou une décoration qui nous convient plus sur le moment. En tout cas, à la maison, il y a quelque chose de très mignon, de très love, de très réconfortant. Après, pour une autre interprétation, on pourrait nous parler également, on a envie de se rapprocher peut-être de chez quelqu'un. Peut-être un désir de déménagement ou alors un désir de... Peut-être qu'on a craqué sur une maison, sur un appartement. Ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai que on peut également, à un moment donné, aller peut-être chez un hypnotiseur avec un thérapeute. En tout cas, si vous avez l'envie d'aller voir un hypnotiseur, quelqu'un qui faire du yoga ou peut-être suivre une thérapie, on vous dit en tout cas que vous allez trouver la bonne personne. Bon, si on va plus loin dans ce sens-là, si vous comptez prendre soin de vous par une thérapie, par du yoga, par quelque chose un peu de l'âme, on vous dit que vous allez avoir des séances assez récurrentes, peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas, il y aura quelque chose d'assez récurrent, si c'est dans ce sens-là. Ok, je vois autre chose, peut-être qu'il y en a qui le verront pas avec ces combinaisons, mais moi je vois ça. Il y a certaines personnes qui vont peut-être louer un Airbnb ou un bien, quelque chose avec une certaine thématique, une originalité dans ce Airbnb, dans cette location saisonnière, je sais pas comment, non, journalière, je sais pas comment on appelle ça. C'est venu comme ça, donc ça parlera pas à tout le monde, je pense, mais c'est vrai que c'est venu. Ok. Alors, on nous parle par la suite que. Ah, bon. On nous parle quand même dans les relations que les choses vont plutôt bien se passer. Ouais, peut-être une construction de vie commune. On voit quand même que les deux personnes ici qui peuvent se trouver. Après, ça peut être l'élu de notre cœur, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être une amie. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un lien très fort avec quelqu'un et les choses se développent très doucement, mais vraiment dans la paix et dans le respect. C'est très, très, très beau. Oui. Alors, c'est vrai que si je continue dans le sens du Airbnb, moi, je peux voir une croisière ici. Pour certaines personnes, peut-être partir en bateau. Ouais. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de terre. Il y aura beaucoup de mer. Peut-être qu'on s'arrêtera quelque part, mais c'est vrai que c'est quelque part où il y a pas mal d'eau. Et beaucoup de cailloux. Pas trop beaucoup de cailloux. Bon, si c'est ça. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler? Mentalement, on voit que les choses ici, pour votre esprit, on voit que les choses vont s'harmoniser. On va vraiment être dans quelque chose de chaleureux. Peut-être que vous allez réfléchir beaucoup plus lentement, je ne sais pas. Peut-être c'est l'amour qui va faire ça. Donc, sentimentalement, j'aime bien ce qui se passe. Professionnellement, peut avoir. Soit vous allez être. Après, c'est normal, on est en décembre. Après, c'est vrai que la vidéo est intemporelle. Peut-être, je sais pas. Peut-être vous allez tomber pour ceux qui sont là, dans une période de vacances. Ou alors, certaines personnes, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura une réflexion à un moment donné. Peut-être qu'il y aura une pause au niveau du travail. J'ai l'impression que peut-être qu'il y aura des choses qu'on voudrait étudier dans le cadre professionnel. Peut-être.
quelque chose qui se passe à domicile, mais je vois quand même qu'on aime notre établissement, où on l'a aimé. Les choses au niveau professionnel évoluent quand même pas mal lentement, j'ai l'impression. Il y a eu du changement en cours de route, j'ai l'impression. Alors moi, je trouve quand même qu'au niveau du cœur, ça se passe plutôt bien ici. Je pense qu'il y a des choses au niveau croyances et spirituelles qui peuvent rentrer en ligne de mire. Même professionnellement ici, je pense qu'il y a des gens, ils ont certains souhaits. On va faire des rencontres peut-être liées à nos croyances, à nos passions, à l'art, à la créativité qui nous tente. Il y aura peut-être même un concert. Certaines personnes vont aller voir quelqu'un chanter. Ou peut-être un humoriste, mais je le vois pas trop comme ça, mais peut-être. Au niveau du travail, il y aura aussi des rencontres professionnelles qui se feront. Pas énormément, je pense, mais il y en aura quelques-unes ici où on va pouvoir échanger au niveau du travail. Ça sera plutôt enrichissant ici. Il y aura des nouvelles idées qui vont arriver. C'est vrai que la carte du centre, c'est quand même beaucoup de lenteur, mais je vois pas forcément de négation. Mis à part peut-être à un moment donné, il y a une interruption, mais on peut parler de reprise. Donc voilà. Bon, le message peut-être que c'est pas très précis aujourd'hui. Je suis désolée, je fais comment je peux. Ce que je vois. Je peux pas, voilà. J'en fais pas plus, quoi. Je dis vraiment ce qui sort. Quand je dis j'en fais pas plus, ça veut dire je n'invente pas, quoi. Alors, au niveau sentimental. Une personne, alors ce message sera peut-être pour la personne de votre cœur. Si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou peut-être un message pour les célibataires aussi, dans le sens peut-être pour vous aider. Comment sera cette personne? Allez, on prend celui-ci, on le prend avec délicatesse et recul. Allez, je mélange le jeu. On va en prendre trois. Je pense trois ici pour le message du cœur. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les célibataires, je pense que vous allez oser un peu faire des rencontres. Peut-être quelqu'un là, je pense, pour les célibataires. Pour les couples. On voit que vous allez avancer, qu'il y aura des actions qui vont être prises. Peut-être que même les couples et les célibataires, vous avez pas mal attendu. C'est pas bien, mais parfois il faut attendre. Enfin, on n'attend pas vraiment, mais parfois il faut laisser le temps. C'est normal. Dans un couple, on peut, voilà, les choses des fois elles vont pas à 1000 à l'heure. Hein. Il faut pas s'impatienter non plus. Après, ça dépend. Quand je dis il faut pas attendre, il faut pas attendre un boulet qui ne reviendra jamais et qui va revenir pour vous faire du mal. C'est tout, hein. Ok. On nous dit que les choses vont avancer. Ah, elle est sortie aujourd'hui sur TikTok aussi, celle-là. Ah, très bien. Oh, c'est très joli. Je vais quand même développer avec l'oracle G, qui est très précis, qui est très très bien. Les débutants, je vous le conseille. Il n'y a pas de mots-clés, mais après. Vous n'avez pas honte d'écrire des mots hein, au début. Alors là, côté du love, le courrier de l'amour, on voit des gens qui se sont trouvés pour moi. Peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas osé croire en l'amour pour les célibataires. Pour les couples, vous êtes bien. On voit des gens qui se sont trouvés dans le sens. Voilà, il n'y a pas de mots tellement on peut être bien. Il y a de l'alchimie, de la fusion. Bon, pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Mais les amis, si vous fermez toutes les portes, il n'y aura rien. Mais chaque chose en son temps. Moi, je suis sûre que même les célibataires les plus aigris du monde, à un moment donné, vous allez vous laisser votre cœur. Vous allez vous laisser aller. Vous allez me dire non. Mais oui, je le sais. Bon, il y a des cartes. On la regarde pas d'abord. Alors, on va quand même un peu plus développer, être un peu plus dans le concret avec l'oracle G. Petit contrat.
Petit hiver, petite bougie. La bougie, souvent, c'est la médiumnité, c'est le fait de voir les choses. Écoutez, on a un très beau message. Je pense que je vais tirer des signes astro. Oui, j'ai tout cassé. Parce que là, on voit des gens qui s'engagent dans du sérieux, dans de l'amour, dans l'affection. C'est chimique. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Voilà, coup de cœur, on est bien. Mentalement, on peut se regarder genre dans le blanc des yeux, en bavant. Et l'autre va t'enlever ta bave, va pas trouver ça dégueulasse. Très mignon. On voit que c'est pour une période de l'hiver que les choses sont en train de s'installer. On prendra des initiatives. On voit des gens qui vont croire en l'amour, ça fait plaisir. Il y a des gens qui vont se trouver ou qui se sont trouvés. C'est très beau. Je vois quelque chose de très mignon, franchement. Avant de prendre les signes astrologiques, j'ai envie de développer ce tirage quand même. C'est trop trop simple ce que je dis, je trouve. Il me faut. Ouais, on voit une relation durable. Malgré des gens de base un peu froids, qui ne croyaient pas forcément à l'amour. Non, je peux rien dire de plus. Je vois que. Façon, les gens qui vont y croire, c'est quand ils vont rencontrer cette personne. Et peut-être ce que je vais dire, peut-être ça va vous revenir en mémoire, ou peut-être vous allez complètement me zapper, ou c'est possible aussi. Je vous le souhaite, par contre. Ça serait bizarre, sinon. Non, mais vraiment, il y a quelque chose de. Je sais pas, c'est une belle relation, c'est quelque chose. Il n'y a pas de mots, tu vois. En vrai, souvent, on dit il n'y a pas de mots quand l'amour est vrai et tout, donc. C'est très beau ce que je vois, c'est très joli. On voit deux personnes qui vont juste être bien ensemble en fait, au niveau du cœur. Au niveau de ce qu'ils pourraient te dire, bah, il y aura pas mal de mots doux. Là, il n'y a pas quelqu'un, c'est une personne qui n'aura pas peur des mots doux. Quelqu'un qui va oser te faire des surprises, t'impressionner. Enfin non, pas t'impressionner. Quelqu'un qui voudra te faire plaisir, qui te montrera. Sans parler, peut-être qu'il parlera, mais c'est pas mal. Mais il fera des choses qui vont te dire, mais oui, quoi, c'est un vrai mec, c'est une fille qui veut sérieuse, qui veut s'engager, de genre par des choses qui te montrent tout simplement bah, qui t'apprécie pour qui tu es vraiment. Et en fait, c'est dur de dire des mots en fait quand il y a quelque chose de sérieux, quand il y a de l'amour. En fait, il n'y a pas de mots, c'est juste que vous allez continuer votre chemin, les jours vont passer, vous allez profiter ensemble et vous allez vous kiffer, vous allez rire, vous allez un peu vieillir ensemble, on peut dire ça, quand on passe du temps, on vieillit de toute façon. Mais je sais pas quoi dire de plus, peut-être, attendez. On a la carte de la surprise. Ah, peut-être que pour certains, c'est un engagement qui vient par surprise. On n'avait pas prévu de se mettre en couple, on n'avait pas prévu de tomber amoureux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? C'est compliqué. Je ne sais pas, aujourd'hui, cette histoire, elle est très belle, mais j'ai du mal à trouver les mots. Je sens quelque chose de pur, quelque chose de vrai, mais c'est difficile. C'est quelqu'un que tu connais ou que tu connaîtras, tu prendras le temps d'apprendre à le connaître et les choses vont se faire, tu vois. Il y aura une bonne entente, vous allez bien vous entendre. Si vous avez des passions, peut-être pour l'ésotérisme, eh bien peut-être qu'il va un peu s'intéresser s'il s'y connaît pas. Si c'est une autre passion, ben voilà, tu vois, vous allez partager des choses, vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir à l'un et à l'autre peut-être des choses qui vous intéressent, que vous ne connaissez pas trop, que vous n'avez pas été ou il n'a pas été peut-être curieux à ce moment-là. J'essaye de développer, hein, mais c'est pas simple des fois. Hein. Aujourd'hui, c'est pas. Votre histoire, elle est simple, elle est belle, elle est facile, elle est vraie, mais j'avoue que ouais. Après, ouais, j'avoue que j'arrive pas pour ce tirage à être très précise. Des fois, j'y arrive. Mais vous savez que je suis toujours honnête. Oui, je vois des choses.
Mais je sais pas pourquoi je bug. En vrai, j'ai un peu développé, mais on va tirer des signes. Je pense que cette histoire, elle n'est pas pour tout le monde. J'en prends que trois aujourd'hui. On a qui? On a les taureaux. On a les vierges. Et on a les verseaux. Désolée pour les autres, mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en tire une note de celui-ci. Écoutez, peut-être ça faisait un bail que certains étaient célibataires. Ou alors, par rapport à cette personne, vous étiez resté dans un cadre plutôt amical. Ou dans un cadre où vous avez beaucoup pris le temps avant de vous dire vraiment oui, avant que les choses prennent un coup d'accélération et d'engagement, tu vois? Possible, hein? On voit peut-être que aussi il y avait des choses à ranger, peut-être que vous deviez finaliser des projets professionnels, sentimentalement, c'est possible. Et c'est une personne qui voudra te voir, te parler, qui sera là, qui sera vraiment intéressée par toi, qui voudra en apprendre davantage, qui voudra peut-être connaître tes proches, déjà te connaître toi, te voir souvent, voilà. Profiter de toi, mais dans le bon sens, et toi tu profiteras de lui. C'est super. C'est rare. On a un message aussi mignon. Ok, donc j'avais dit quoi? Ah, l'oracle de Calypso qu'elle m'a envoyé. Je l'ai pas trop utilisé, c'est vrai, j'avoue. L'ordi qui se met en veille, mais j'ai enlevé le mot de passe. Par contre, j'aime bien le dos. Je le trouve super stylé, ouais. Très beau violet en plus. Et on a un pentagramme qui parle de protection. On a quoi? L'amour avec un grand A, ben oui. C'est l'énergie du jour qui est super bien. Et elle a mis des petits mots-clés pas mal pour les débutants avec une phrase. Amour, union, accord parfait. C'est exactement ça. Mais du coup, on va lire. Je pense que ça va être un beau message qu'elle a dû écrire. L'amour avec un grand A. C'est la carte 18. Allez, je vais essayer de bien lire. Je t'aime depuis toujours, mais ça, tu le sais, puisque je t'ai cherché comme un trésor et je t'ai enfin trouvé. Tu es le ou la seule, l'unique dans mon cœur et dans mon âme. Je t'aime avec tes blessures, je t'aime avec tes défauts. Je t'aime avec passion, je t'aime avec déraison. Je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai envie de te le dire et de te l'écrire à chaque seconde qui passe. Tu es l'amour de ma vie. Si tu tires cette carte, c'est que tu as trouvé la perle rare ou chaussure à ton pied comme Cendrillon. Vas-y, profite. Exactement. Coupe la vidéo, profite. Pourquoi t'écoutes ma vidéo, quoi? Ou alors, peut-être, les amis, ça va arriver. Il ne faut pas désespérer. Je sais, il y en a, vous êtes bien célibataire. C'est bien d'être célibataire. On vit bien, même avec les animaux et tout. Mais c'est bien aussi que si on trouve quelqu'un de bien. Vis à fond cet amour que l'on a mis sur ta route. Prends soin de cet amour divin. L'amour, c'est quelque chose de sacré. C'est la plus belle et la plus puissante énergie de l'univers. Alors, il faut le cultiver comme une jolie rose. Donc là, après, c'était si elle était inversée. C'est très joli ce qu'elle a écrit. C'est un beau message d'amour. Alors, on va tirer une autre carte. On a quoi? Je t'ai cherché. C'est impressionnant. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Je sais pas, moi je sens le neuf, je sens pas de rancœur, je sens pas de problème en fait. Pas du tout. Là, vous êtes pas dans le moment problème, hein, pas du tout. Là, les gens là. Mais les amis, ça va arriver. Alors, la carte, je t'ai cherché. C'est la carte 16. Depuis la nuit des temps, de vie en vie, je t'ai cherché. J'ai cherché ton visage, j'ai cherché ton parfum.
l'odeur de ta peau, la douceur de ton regard. Et je t'ai reconnu. Dès que je t'ai vu, j'ai su. Tout a été limpide en moi. Et maintenant, je t'ai trouvé, retrouvé. J'ai envie de marcher main dans la main avec toi jusqu'à l'éternité. Si tu tombes sur cette carte, c'est que tu as ou que tu es sur le point de rencontrer quelqu'un avec qui tu as un lien. Je n'ai pas spécialement envie de mettre un mot, une étiquette sur ce lien. Parfait. C'est ce que je viens de dire pour moi. Mais sache que cet amour est unique, cet amour est merveilleux et qu'il va vous faire grandir. Toi et cette autre jolie âme. J'espère que vous vous reconnaîtrez et que le chemin pour arriver à l'union de vos deux âmes ne sera pas trop chaotique. Ça arrive parfois. Là, je pense pas. Pas pour l'instant. Je vous souhaite plein de bonheur à tous les deux. Aimez-vous fort. Non, mais franchement, là, c'est pas possible qu'il y a du... y a pas de problème. Soit c'est une nouvelle relation, soit c'est des gens qui... En tout cas, pour cette énergie, je sais que ça va... Du coup, il y a beaucoup d'abonnés là, ça va pas vous parler. Je suis désolée. Des jours, ça vous parle, c'est pour vous. Il y a des histoires différentes, hein. Même si des fois, ça parle à beaucoup de personnes, mais des fois, non. Et c'est normal. Et je ne peux pas me, moi, je n'aime pas me concentrer sur une seule histoire. Ben non. Enfin, j'ai la possibilité de lire des histoires, de regarder des histoires. De conseiller parfois quand je peux, si je peux. Je trouve que c'est tellement plus beau, c'est tellement plus riche. Ça serait trop triste si je me concentrais juste sur... Non. Allez, on regarde une autre carte. Pas mal, hein, le livre. C'est pas mal pour les débutants. Ouais. Et on a quoi? Tu peux être fier de toi, élévation et bienveillance. Donc là, c'est un chemin parcouru. On voit qu'on se dirige vers la lumière. Donc on parle de, tu peux être fier de toi, de la reconnaissance, de l'évolution, du chemin que tu as parcouru. Peut-être d'avoir laissé cette porte ouverte vers l'amour. Ou tout simplement peut-être... Alors, bon, là on a fait beaucoup de love. Là, sur un plan général, peut-être professionnel. On vous dit que vous avez trouvé un emploi ou que vous allez être dans un emploi qui vous va vraiment, qui va vraiment avec vos envies, votre cœur. On voit que peut-être à un moment donné, tu as beaucoup cherché ton chemin par rapport à ce que tu voulais faire. Et on te dit que tu vas vraiment être dans ce que tu dois être. Par contre, on te dit par rapport à ce chemin, peut-être que tu as dû bah, pas mal marcher, que le temps passe, que tu trouves des expériences professionnelles. Après, ça peut être financièrement. Peut-être que tu attends quelque chose, ça va arriver. Et on voit qu'au bout du tunnel, ben, c'est le bonheur, quoi. Bon, après, la vie, c'est pas un conte de fées. Peut-être que tu auras des petits problèmes dans ta vie, hein, mais ça, c'est normal. On a tous des petites couilles. Non, pas tous, pardon. Non, mais je veux dire petites couilles dans le sens. C'est vrai que dit comme ça, la cam, ça fait bizarre. Non, des petits soucis. Non, mais si je dis ça, c'est que je l'ai entendu quelque part. Hein. Petite couille. Mais pourquoi petite couille? Ça doit pas être ça. Ça doit être référence. Je vais regarder sur. Désolée. Pourquoi petite couille? Petite couille. Ça doit être un truc à l'ancienne. Ça doit dire un truc un peu profond. Petite couille. Non, mais si je marque petite couille, j'ai pas conscience que je vais tomber. Ouais, ça parle des hommes. Et je vais marquer problème. Ah non, merde, autant. Ouais, bon. C'est pas bon. C'est pas la bonne recherche. Laissez tomber. Peut-être quelqu'un aura la... Pourquoi je dis ça? Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire des petits problèmes, mais... Est-ce que je retire des cartes pour cette petite histoire d'amour? Non, c'est très bien. Alors, on fait quoi maintenant? Oh, déjà, j'avais pas vu le temps passer. Ah ben oui, elle s'est infiltrée. C'est princesse. Elle me quitte jamais, presque pas. Oui, Minette. Mais Minette, on fait la vidéo. Oh putain, il y a Luna aussi. Non, toi, Luna, tu peux pas. Non, elle fait XXL. Même sa tête, elle fait le dos, elle fait tout son corps. Non, j'exagère. Non, mais j'ai pas fini, Minette. Maintenant. Maintenant, on fait la vidéo.
Non, mais c'est pas mal déjà. C'est passé super vite. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qui manquerait à la vidéo? Ouais, je sais pas, c'est super vite, je comprends pas. J'ai pas l'impression d'avoir parlé énormément. Je parlais énormément, les amis. Ça fait 30 minutes. Bah écoutez, c'est que je me suis sentie bien avec vous, hein. On a une carte. La magie des mots, le pouvoir de ce que tu exprimes. Prends conscience des mots que tu utilises pour partager tes pensées. Genre là, je viens de dire petite couille, quoi. Car il crée et transforme les événements s'ils ne sont pas constructifs ou vont à l'encontre de tes souhaits, change-les immédiatement. Pardon, je les change. J'espère que vous n'allez pas le prendre mal de ce que je viens de dire. J'espère que vous avez plus ri. Enfin, peut-être que c'était pas drôle en fait, hein. Je trouvais pas ça très drôle. Mais bon, peut-être. Peut-être vu d'un œil extérieur, ça peut être drôle. On prend mon petit tarot. Il arrive. Je dis pas plus, mais il arrive, les amis. Je sais que c'est long. Il y a eu des soucis d'expédition. Il y a tout le monde qui commande à Noël. J'avais prévu un mois de rab. Je sais, c'est très long. Ça arrive. Le suivi, je vois qu'il s'active. Tu trouves pas que tu prends un peu de place? Alors, on va tirer une carte avec le tarot. Excusez-moi. Mais non, mais Minette! Minette! Excusez-moi. Allez. L'abandon. Voilà, ça veut dire qu'on quitte des choses. On laisse des choses. Je suis contente. Il y a des gens qui vont quitter le pessimisme. Qui vont quitter l'aigreur. Je suis des fois aigri. Et moi aussi, des fois, je fais ça, être aigri. Non, mais vous allez vous diriger dans le bonheur, dans la joie. Vous allez kiffer. Vous allez être bien. Vous allez, je sais pas. Vous allez retrouver votre joie, votre motivation, votre bonheur. Vous allez vous sentir bien, les amis. Ça a manqué à beaucoup de gens. Je l'ai senti. Ça m'avait fait mal. Voilà. Nickel. Part pour aller vers l'optimisme et la réussite. C'est peut-être le bonheur de la personne qui arrive ou qui est là dans ta vie ou quelqu'un dans ta vie. Peut-être que, je sais pas, vous allez être bien. Je sais pas, vous allez trouver quelque chose qui va vous faire bien, qui va vous faire du bien. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben écoutez, là bientôt mon énorme stock arrive. Je suis contente. J'ai un rendez-vous très important vendredi, les amis. Souhaitez-moi le succès. Je ne peux pas parler. Confidialité, mais j'ai hâte. Donc ça, bientôt, peut-être je pourrai vous en parler. Il faudra que je demande. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, les amis? Ben, écoutez, je me suis activée sur TikTok. Genre, j'avais la flemme TikTok. Pourtant, c'est court. Mais je sais pas, j'avais pas envie. Et là, ouais, j'ai envie. Et dire qu'avant ce compte, j'avais un autre compte que j'ai supprimé, mais il n'y avait pas de voyance. Genre, je faisais des bêtises avec mes cousines et tout. Et j'avais eu quand même 10 000 abonnés sans voyance. Vous imaginez? Ouais, mais c'était à l'époque. À l'époque, c'était facile. C'est facile, TikTok. À l'époque. Ok, qu'est-ce que je vous dis? Ah ouais. Vous savez, je suis allée à Auchan. Et genre, je suis allée dans le rayon, le petit rayon d'Oracle. Et il y avait, vous savez, les trucs là en bois où tu peux mettre les cartes. Et j'ai failli l'acheter juste parce qu'il y avait ça. Et l'Oracle, il me plaisait pas tant que ça. Enfin, il était beau, mais pas jusqu'à l'acheter en fait. Pour que j'achète un Oracle, faut vraiment que les illustrations, elles soient belles. Je suis attirée par les belles cartes. Et non, et ça coûtait 30 euros. J'ai dit, est-ce que c'est raisonnable? J'ai dit non. En vrai, il y en a des plus beaux sur Internet. Et je ne l'ai toujours pas acheté. Je ne sais pas où l'acheter. J'ai vu sur Etsy, mais je ne sais pas. Je suis en hésitation. Et quand tu hésites, il ne faut pas prendre de décision.
Donc voilà les amis, allez, ben je sais pas, j'ai encore envie de rester avec vous. Et si je tirais un petit message pour tous les signes astro, mais un message peut-être un peu profond, je sais pas, enfin profond. Je sais pas où il est l'autre tas de cartes. Ah ben là. Je sais pas, quelque chose, un aura qui nous permettrait. On est beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'amour, non? Pour tous les signes astro, qu'est-ce que je fais? Plutôt l'oracle G, c'est plus prédictif. L'oracle G, il est fort. Allez, on vous tire une. Alors, le premier, c'est les Verseaux, hein. Je mélange bien le jeu pour accueillir les prédictions pour tous les signes astro. Les Verseaux, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vient vers les Verseaux? Qu'est-ce qui vient vers les Verseaux? Alors, les Verseaux, je suis désolée, mais ça va être calme. Période un peu vide, un peu stagnante. Il n'y a pas trop de choses. Ou quelque chose un peu qui n'avance pas. Les Vierges, on voit que vous allez retrouver l'espoir. Peut-être un peu de bonheur, peut-être des choses vont peut-être se débloquer pour vous. Les taureaux, un contrat que vous allez signer, les taureaux. Les lions, on voit peut-être que vous allez avoir une révélation ou un éclaircissement. Les sagittaires, on voit des choses qui vont commencer, qui vont grandir dans le bonheur. Vous allez récolter de la joie et du bonheur, les gémeaux. C'était les Sagittaires, attendez, je regarde. Gémeaux. Alors, vous avez quoi les Gémeaux? On voit que vous allez trouver peut-être être bien dans une passion, dans quelque chose de créatif. Peut-être qu'il y a un rapprochement avec un homme aussi. Les cancers. On voit une période lente, les choses qui n'avancent pas et qui sont un peu lentes pour vous, les cancers. Les scorpions. On voit que peut-être qu'on va vous aider ou il y a de l'aide qui sera apportée. Ou peut-être qu'il y a un lien fusionnel. Les béliers, on voit une situation instable, mais qui trouvera quand même doucement un déblocage. Voilà, le taux se desserre. Les poissons, on voit peut-être du désir, de l'envie, peut-être au niveau physique, voire sexuel. Les balances, on voit de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont arriver. Les capricornes, on voit qu'on vous jalouse ou il y a peut-être de la médisance. Donc voilà les amis, bon moi je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à demain. Bisous!